OMG, je crois que ça y est, Poire, mon escargot géant qui était en hibernation, s'est réveillé. J'ai vu qu'elle avait bougé en fait dans le terrarium. Et vous voyez, elle n'était pas morte, c'était juste l'opercule de protection. Et là, je me suis dit que depuis 2 mois, elle devait avoir super faim. Bon, je vous avoue qu'elle n'est pas sous son meilleur angle là, mais du coup, je lui ai préparé un petit bout de champignon et un petit bout de courgette pour qu'elle mange toujours dans de l'eau pour qu'elle ne se dessèche pas. Et je suis super contente puisque sa coquille est toujours aussi belle malgré l'hibernation. Bon, là on croirait peut-être pas, mais oui, c'est un accéléré et on voit qu'elle galère, elle puise toutes ses forces pour essayer de sortir, puisque bien évidemment, elle n'a pas mangé ni bu depuis 2 mois. Alors je pensais qu'elle se jetterait sur la courgette, mais en fait elle renifle. Mais à ma grande surprise, elle ne mange rien. J'ai donc décidé de lui donner de la poudre d'œuf, enfin de coquille d'œuf broyée. Bon, visiblement au début, son odorat lui a fait défaut puisqu'elle a même pas senti que j'avais mis ça, donc je l'ai replacé et elle a pu profiter tranquillement de son premier.